Dans le centre de Lanhui, sur la rive ouest du lac Chaohu, dont les eaux brumeuses s'étendent à perte de vue, on trouve un vieux bourg historique de plus de 2500 ans. C'est ici que se rencontrent les rivières Fanglo, Xiaonan et Rangbu. Et c'est de là que le bourg a tiré son nom de bourg Sanhe, bourg des trois rivières. Il était jadis situé sur une élévation sableuse au milieu du lac Chaohu, mais au cours des siècles, avec l'évolution du terrain, il a fini par être progressivement connecté avec la rive. Dans le passé, la région du bourg servait d'habitat à des centaines d'oiseaux. Il en a gardé un nom très poétique, celui d'îlot des Pies. Aujourd'hui, les vieilles rues, les vieux ponts et les vieilles maisons du bourg de Sanhe ont gardé l'aspect et le style architectural de la période des dynasties des Ming et des Qing. De toute la région du centre de Lanhui, c'est la vieille ville fluviale. Le vieux bourg a beau ne faire que 410 mètres carrés, il n'y a pas moins de 12 ponts de formes et de styles différents qui enjambent ici les rivières. Un dicton dit que les habitants de ces villes fluviales traversent plus de ponts qu'ils n'empruntent de routes. Parmi tous ces vieux ponts, celui qui fait la fierté des habitants du bourg de Sanhe, c'est ce pont en pierre avec ses trois trous. Il est appelé pont des trois districts, à cause d'un vieux proverbe qui dit que sur le pont qui enjambe deux rives, le cri du coq résonne dans trois districts. Les gens d'ici disent que qui n'a pas passé le pont des trois districts n'est jamais vraiment arrivé à Sanhe. Ce n'est que sur ce pont qu'on peut véritablement percevoir tout le charme de ce vieux bourg. En parlant de ce vieux pont, les gens d'ici disent avec fierté que c'est le moine à la bosse qui l'a construit. Ce pauvre moine avec sa bosse, dont ni le nom civil ni le nom religieux n'ont été conservés, est tout de même devenu la fierté des gens du bourg de Sanhe, cela seulement grâce à un pont. La légende veut qu'à l'époque, les gens qui voulaient traverser la rivière n'avaient d'autre choix que de prendre un ferry. En voyant toutes les difficultés que cela causait au bon peuple de la région, le moine à la bosse a fait le vœu de faire construire un pont de pierre pour la population, en ne s'appuyant que sur ses propres moyens. Pour un religieux sans le sou, ce n'était pas un pari facile. Ah, À force de faire l'aumône, été comme hiver, pour rassembler de l'argent, et au fur et à mesure des saisons,
Le moine à la bosse a finalement voyagé des dizaines d'années pour remplir sa promesse. Quand il a finalement eu assez d'argent pour commencer les travaux sur son pont de pierre, le moine était déjà vieux. Il a invité le maçon le plus reconnu, choisi la pierre de la meilleure qualité et a demandé que les couches de pierre soient empilées et serties les unes dans les autres et maintenues avec une préparation à base de gris gluant et d'œufs. Après avoir travaillé une vie pour remplir sa promesse, il n'était pas décidé à faire les choses à moitié. À Saint-Creux, il y a un dicton. Qu'on construise un pont, une route ou qu'on remplisse les annales de sa famille, il faut être prêt à donner sa vie pour son travail. Juste au moment où l'armature du pont était érigée, le moine à la bosse est tombé sévèrement malade. Il ne pouvait plus se lever. Au moment où le moine allait mourir, on dit que la surface du pont n'avait pas encore été recouverte de pierre. Et le moine à la bosse a demandé à ce qu'on l'amène jusqu'à la tête du pont et à ce qu'on fasse venir le directeur de la chambre de commerce de la ville. À ce moment-là, le moine à la bosse ne pouvait déjà plus parler. Et il n'a pu que s'asseoir dans un sursaut et saisir fermement dès demain la canne du directeur avant de finalement rendre l'âme les yeux grands ouverts. En voyant que le moine était mort, le directeur de la chambre de commerce s'est penché et a voulu desserrer les mains du moine, mais il était impossible de lui faire lâcher prise. Alors le directeur a compris que le moine était mort sans avoir mené à bien sa mission et qu'il ne pouvait reposer en paix. Il lui a dit « Ne vous inquiétez pas, je m'occupe du pont ». Et à peine il a eu fini de parler que les mains du moine à la bosse ont lâché sa canne. Après la mort du moine à la bosse, le pont a été terminé. C'est de cette façon qu'une vie s'est transformée en un pont. Aujourd'hui, le pont est toujours recouvert de magnifiques piliers et de statues de tambours et de lions plus vrais que nature, qui racontent aux passants cette histoire émouvante. Pour honorer le moine à la bosse, les habitants du bourg de Saint-Creux ont adapté son histoire en un opéra qui se joue sur la vieille scène du bourg. Avec seulement sa charité comme capitale, un homme sincère peut changer le monde. Voilà une leçon qui est entrée profondément dans le cœur des gens de ce vieux bourg. Le bourg de Saint-Creux, à proximité de tant de cours d'eau, a toujours été un lieu de rivalité entre armées au cours de l'histoire. Pendant la période des printemps et des automnes, le grand général du royaume de Wu, Wu Zesu, a vaincu ici l'armée du royaume de Chu. Pendant la période des Trois Royaumes, Cao Cao s'est aussi servi du bourg de Saint-Creux comme d'une garnison au moment d'entraîner sa marine sur le lac Chaohu. À la fin de la dynastie des Ming, quand l'armée de paysans révoltés de Zhang Xianzhong a attaqué Saint-Creux et s'est saisie de 300 grandes jonques à deux mâts, elle en a profité pour se constituer une marine. L'odeur de la poudre et la fureur des batailles ont depuis longtemps disparu. Mais il reste beaucoup de traces qui racontent l'histoire millénaire de ce vieux bourg. Tous ces vieux murs d'enceinte, ces vieilles installations défensives, ces vieux ponts, ces vieilles rues et ces vieilles habitations, tous témoignent d'une riche histoire qui s'est préservée jusqu'à aujourd'hui. Depuis la dynastie des Trang, les sédiments se sont peu à peu accumulés sur les berges du lac et des rivières autour du vieux bourg jusqu'à former de bonnes terres arables. Et Saint-Creux est devenu un lieu de production de riz et de poissons reconnu, ainsi qu'un centre de commerce prospère centré sur le commerce du riz. Les produits venus des monts d'Abier sont transportés jusqu'ici grâce aux rivières et distribués. Les produits d'usage courant venus du Zhejiang ou de Nanjing
partent eux aussi du bourg pour être vendus dans les campagnes, de sorte que Saint-Preux est devenu un centre commercial important dans la région à l'ouest du lac Chaohu. Pendant le règne de l'empereur Guangxu des Qing, les annales du district de Shuchang décrivent le bourg de Saint-Preux où toutes sortes de marchandises se croisent, un véritable métropole au sud de la région de Zun de Lanhui. Cette culture commerçante traditionnelle continue à se construire. Les 10 raisons pour lesquelles on ne peut quitter Saint-Preux ne sont pas seulement une liste des plus beaux souvenirs qu'ont les habitants de leur ville natale. C'est surtout quelque chose qui reflète la prospérité et la beauté de la ville. À son apogée, l'industrie du bourg de Saint-Preux était elle aussi très développée. Les éventails de plumes, parapluies cirés, l'alcool de riz, les peignes en forme de cornes de bœuf de la ville étaient populaires dans tout le pays. Et encore aujourd'hui sont très appréciés des touristes. Aujourd'hui, ces objets qui témoignent de la gloire passée du vieux bourg sont déjà entrés dans les musées. En particulier les enseignes des magasins les plus reconnus, où chacune d'entre elles rappelle un miracle commercial qui s'est déroulé dans le vieux bourg. Dans la société traditionnelle chinoise, une enseigne représente la réputation d'un vieux magasin et il faut plusieurs générations d'efforts pour produire ce que les gens appellent une enseigne d'or. Une fois que cette réputation est acquise, on peut compter sur la confiance de la population. Perdre son enseigne pour un marchand traditionnel, on peut dire que c'est une question de vie ou de mort. On dit que pendant le règne de l'empereur Dao Guang des Qing, un vendeur de riz du nom de Wang est venu s'installer au bourg de Saint-Preux. Une année, alors que le climat avait été très favorable et que les récoltes avaient été abondantes, il a pu acheter énormément de riz avec seulement un petit dépôt et il a promis de payer le reste après avoir vendu son riz. Mais après avoir écoulé tout son stock, il est devenu avide et il a investi tout l'argent dans une autre entreprise. À sa grande surprise, l'autre entreprise s'est retrouvée en difficulté et il n'avait plus les moyens de payer les paysans. Alors, il s'est mis à essayer de gagner du temps. 周边的老百姓知道以后，说这个人不守信用，大家都别到他家去买东西，结果这个老板很快就倒闭了。所以说，这种口碑在当地来讲是一个生命之源。对，诚信是张浩的生命，店铺的诚信，百姓都能记住他的商号。他可以告诉他的子孙：“你们去买东西，到哪家商铺，哎，那家东西好，价格合理。” 由于他的诚信和老百姓达成了共识，所以呢，他的生意就越做越好。一座有着千年繁荣商业史的重镇，虽然历经战火，却长盛不衰。穿越历史的时空，走到今天，依然充满活力。这其中到底蕴藏着怎样的秘密？就让我们一起走进古镇上的老字号，去寻找答案。 Zhongrexiang est un vieux magasin très reconnu à Saint-Preux. Ce magasin de gâteaux a été créé durant la dynastie des Qing, pendant le règne de l'empereur Guangxu. Cela fait déjà plus de 110 ans. Chemao Bin a 60 ans et le magasin Zhongrexiang est dans sa famille depuis 3 générations. Pendant la 24e année du règne de l'empereur Guangxu, son grand-père Shu Daoshang est venu au bourg de Saint-Preux depuis la ville de Shuchang. Pour gagner sa vie, le jeune Shu Daoshang a ouvert un petit magasin de gâteaux avec deux amis.
Ils y vendaient des gâteaux au sésame, des crêpes chinoises, des petits gâteaux en forme de doigts et toutes sortes d'autres choses. Ils étaient travailleurs et leurs gâteaux avaient un prix raisonnable. De sorte que très vite, le magasin s'est étendu. Pour faire plus d'affaires, Shou Daoshang a ouvert son propre atelier de préparation et à l'étage a même installé un petit hôtel à la déesse. Les Chinois disent souvent « au-dessus de nos têtes se tiennent les dieux ». Et si Shou Daoshang a installé un petit hôtel dans sa propriété, c'est pour attirer la bénédiction des dieux sur son commerce. Il s'est en quelque sorte mis sous surveillance de la déesse et voulait absolument que ni lui ni ses employés ne tentent de faire de profit sur la matière première. Il fallait que tout le monde travaille avec bon cœur pour faire les choses bien. Dans le même temps, il a fait sentir la formule « faire fleurir la vertu et maintenir l'exigence au-dessus de la porte » de façon à se la rappeler toujours. Dans la culture commerciale chinoise traditionnelle, on dit que les petites affaires dépendent de la capacité de travail. Un commerce de taille moyenne dépend de la sagesse du marchand, mais un grand projet est fondé sur la bonté. Les affaires du magasin Zhonghexiang ont été de plus en plus florissantes et les Cheux sont devenus des notables dans la région. Tous les ans, lors du dernier jour du calendrier lunaire, les propriétaires du magasin passent de maison en maison pour aider les familles pauvres qui n'ont pas les moyens de passer dignement le nouvel an. Ces deux pièces d'argent glissées sous la porte ont jadis aidé de nombreuses familles à surmonter les temps difficiles. C'est ce genre de bonne action désintéressée qui a permis à Zhonghexiang de faire des affaires toujours plus florissantes. Les actions pleines d'humanité ont été ancrées dans les annales de la famille Cheux pour que le monde s'en souvienne. Respectant la pensée traditionnelle de leur famille, les enfants de la famille Cheux continuent aujourd'hui de vivre en harmonie. Ils ne se sont pas séparés et veillent ensemble sur l'affaire familiale. Les gâteaux authentiques de Zhonghexiang sont devenus le goût de leur pays natal pour les gens du bourg de Sanhe. L'enseigne d'or de Zhonghexiang est maintenant connue au-delà du bourg de Sanhe et est devenue un programme de patrimoine culturel immatériel de la ville de Hefei. Le vieux magasin ne cesse de gagner en réputation. Encore aujourd'hui, chaque ingrédient sélectionné par Zhonghexiang doit répondre à des critères rigoureux. Pour la famille Cheux, si le vieux magasin a pu prospérer pendant plus de 100 ans, c'est grâce à la sagesse et au sens des affaires de leurs ancêtres. Peu importe les changements de l'époque et les développements, il y a des principes qu'on doit toujours respecter. On ne peut vendre ce qu'on est prêt à manger. Voici une exigence très pure, qui n'est pas seulement le minimum de service auquel s'engage le magasin, c'est aussi le secret qui lui a permis de prospérer. Nous avons une tradition de la culture 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 de
一代代传承着仁爱为本、诚信立世的古老信念，即使到了今天，也依然延续着这份传统，并让它在新的时代焕发出旺盛的生命力。Dans ce vieux bourg, chaque magasin accroche à l'aventure une enseigne, mais ils font aussi attention à suspendre à la porte une lampe. Sur cette lampe, on n'écrit pas seulement le nom de sa famille, on écrit aussi sur le revers le nom du hall des ancêtres de sa famille. Les trois faire du business, le business fait bien ou mal, la sincérité ou pas, les gens sont à retenir. Donc, nous trois faire des commerçants, nous devons mettre sur notre porte une lampe, écrire notre signature. Devant le nom et derrière le hall des ancêtres. À Sanreux, cette lampe n'est pas seulement le symbole de l'honnêteté d'une maison. Cela signifie surtout que les ancêtres surveillent toujours les actions de leurs descendants, qu'on ne peut pas salir la réputation de sa famille. Tous les 6 mois, on organise dans le vieux bourg une cérémonie très officielle. Tous les marchands décrochent la lanterne de leur porte et viennent l'accrocher avec toutes les autres au centre de la place de la ville pour prêter serment devant sa famille et devant le nom du hall des ancêtres, du clan. Depuis des années, la culture du bourg influence les habitants de Sanreux et la maxime selon laquelle l'honnêteté est le meilleur capital s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui. Cette culture riche, construite petit à petit, continue de nourrir d'innombrables enfants au bourg de Sanreux. À l'époque moderne, le bourg a produit le fameux général de la guerre contre l'invasion japonaise, Sun Lijun, le grand patriote Dong In-chu et le physicien reconnu Yan Zhenying. Dans le village, la vie est harmonieuse et cordiale. Et dès que quelqu'un se trouve en difficulté, les gens se mobilisent pour s'aider et se protéger mutuellement. Zhou Benyuan a déjà 73 ans. Et les traditions du bourg sont comme inscrites dans sa chair. Il y a plus de 50 ans, une année, il a eu une très mauvaise récolte. Et quand sa famille a eu fini de manger les réserves de nourriture, il lui a fallu courir partout pour emprunter assez d'argent. 跑了大半天，晚上回到家还是没借到钱，只好躺着床上了。早上一躺不对，怎么了？你枕头啊，比较高，这一摸不对了，这个口袋里边是米，趁手拎过来，试了试，总有10多斤，到现在也不知是哪个人送的。 Zhou Benyuan a essayé de retrouver le bon samaritain qui l'a aidé. Mais il a eu beau se renseigner, il n'a jamais trouvé sa piste. Même aujourd'hui, après plus d'un demi-siècle, le vieil homme n'a rien oublié. Grâce à cette aide mystérieuse, Zhou Benyuan a pu faire l'expérience d'un des plus grands moments de chaleur humaine de sa vie. Pendant 20 ans après sa retraite, il s'est dédié à son travail à la chambre de commerce du bourg de Sanreux, dans l'espoir de se servir de la force de la culture traditionnelle pour étendre les activités commerciales du vieux bourg de Sanreux. Depuis quelques années, à la suite du développement du tourisme, Sanreux a commencé à accueillir chaque année de plus en plus de touristes. La réputation de la cuisine locale du bourg de Sanreux se développe de plus en plus. Pour que tous les touristes qui viennent dans le vieux bourg puissent manger le cœur léger et tranquille, les restaurateurs ont développé ensemble une carte de l'honnêteté, et sur laquelle sont indiqués clairement le nom et le prix de chaque plat, ainsi que la liste des ingrédients principaux et de leur quantité. 实实在在价格，这样呢，游客也好，消费者也好，就吃饭的时候，他就跟着这个菜单，就看到这个菜有多正，这是个价格，很光亮的。有顾客有消费游客或者是顾客有兴趣的话，他要吃的一份烧排骨的话，他就可以自己称了，自己称了。
所以这个菜单相对来说是非常透明的。对，基本上饭店所有的菜都是货真价实，也就是分量多，人是游客吃得好，吃得放心。这个十多年来，我们任劳自备的都是这样。曾经我们饭店有八个字，货真价实，烫手无私。什么叫烫手啊？就是小孩子，包括那个老年人，他来了，都是一视同仁，没有二价。Les prix ont un maximum, mais la quantité au contraire ne doit pas descendre en dessous d'un certain minimum. La formule toute simple, vendre des produits authentiques à leur vrai prix, contient toute la vertu et toute la sagesse commerciale traditionnelle accumulée pendant 1000 ans. C'est aussi à cause de cette honnêteté que la réputation de la cuisine locale du bourg de Saint-Reux a pu prendre une telle ampleur. Chen Xin, 呼唤和要求的就是人们不断地由他力诚信到无力诚信的过渡与发展，从而塑造一个诚信的人，打造一个诚信的社会。Tous les soirs, les gens du vieux bourg se rassemblent près de la rivière de Xiaonan sur le pont du couloir de l'îlot des Pies pour chanter une nouvelle fois parmi les bruits joyeux des instruments. La chanson populaire des 10 raisons pour lesquelles on ne peut quitter Saint-Reux. Depuis des centaines d'années, comme le transmet le rythme mélodieux de cette chanson, tous les habitants du bourg de Saint-Reux s'attachent à protéger, par leurs paroles et leurs actions, l'enseigne d'or que représente la réputation d'honnêteté de leur ville. Thank you.